שמו וזכור ודיבור אחד איש מיינו אל המיוחד. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bezrat Hashem, un petit coucou avant Shabbat. On a parlé souvent comme c'est important d'arriver à la tmimut, à la être intègre. Intègre, tamim tiyem Hashem Elokecha, être intègre avec Akadosh Baruch Hu. Chachamim il dit que si t'es tamim avec Hashem, lo yachsar lecha davar, il te manquera rien du tout. Ve'en mi sheyagid hamazal alecha, titkayem lera, veze lecha haot. Ça veut dire que si tu vas avec Hashem betmimut, il te manquera rien du tout. Même si tu crois que tu as par rapport à les signes astrologiques, tu dois avoir, tu dois pas avoir des enfants ou tu ne dois pas être riche ou quelque chose, sache une chose. Avraham Avinu, il était tamim avec Hashem. Et son mazal, il est montré qu'il ne doit pas avoir des enfants. Et tout était opposé, il a eu des enfants. Donc le Rambam, il explique, ça veut dire quoi tamim tiye? C'est qu'on soit une unité dans notre cœur, notre cœur soit uni qu'avec Akadosh Baruch Hu. On doit croire que c'est que lui seul, et il sait, et c'est lui qui le fait, on fait tout notre futur. Ça veut dire que c'est à lui, à Kadosh Baruch Hu, qu'à Hashem, on doit demander tout notre avenir, ou de ses prophètes, ou de vraiment, le Rambam il a dit, Manche Chassidav, ça veut dire de ses hommes à lui, mais il voulait dire Orim Vetumim. Ça veut dire ça, c'est le mitzvah de Asse. Maintenant, quand on pense, on voit que ça c'est une mitzvah qui est au-dessous de notre force. Dans le caractère de l'homme, et en lui, il y a une force qui le pousse à toujours s'inquiéter pour le futur. Il a ce côté un peu vicieux de savoir et de comprendre, pas comme un aveugle. Et comment la Torah elle vient et te demande quelque chose qui est en dessous de tes forces. Ça veut dire comment la Torah elle veut qu'on accepte tout, betmimut, et naïveté comme ça, intègre, sans réfléchir, sans analyser, et qu'est-ce qu'il va être à la fin. Il n'y a pas une personne qui ne cherche pas qu'est-ce qu'il va être plus tard, est-ce qu'il va se marier, est-ce qu'il aura des enfants, est-ce qu'il va réussir son étude, est-ce qu'il va faire X, Y, Z. Ça veut dire que chacun il cherche à comprendre, un c'est dans une heure, une semaine, plus tard. Vous savez, il y a une fois un grand tzaddik qui l'a dit, il a visité une grande yeshiva à l'époque, il a dit que le secret de toute la réussite de cette yeshiva, c'est parce qu'ils étaient très naïfs, ils étaient très intègres. Et il a donné une machal, comme une explication par rapport à une parabole. Il a dit qu'il y avait un roi qui a mis une grande échelle. Il a donné, il a promis une grande récompense à celui-là qui arrive à monter jusqu'au sommet de cette échelle. Et tous ceux qui sont venus, ils n'ont pas réussi à monter. Il est monté la moitié, il est descendu encore, presque trois quarts, il est descendu. Les gens, ils commençaient à monter, ils ont descendu jusqu'à un. Il monte. Personne n'a compris comment il a fait pour arriver jusqu'à là-haut. Et quand il voulait comprendre c'est quoi sa force, c'est quoi ça, comment lui, il a réussi, pas tout le monde. Ils ont vu qu'il était un aveugle. Et comme il n'a pas vu combien il lui reste à monter, il n'était pas désespéré et il a continué à monter. Et il pensait qu'encore un petit moment, il arrive. Et nous, on doit comprendre que quand on voit tout ce qu'il est devant nous, on veut tout comprendre. Des fois, on est désespéré. Mais celui-là qui est beprinat,
comme un aveugle, un intègre. Il voit pas la fin. Il veut pas comprendre comment je vais faire et comment je vais monter. Et si c'est, je vais, si je tombe, si je glisse, si j'arrive pas, et si ça, il peut arriver à la fin. Et là, malgré tout, c'est très difficile. Ça veut dire, c'est très difficile aujourd'hui pour nous de se mettre à l'état comme si on est un aveugle et accepter tout betmimout. Ça, c'est une des choses les plus grandes qui nous dérangent dans l'avodat Hashem et surtout au mois d'Elul maintenant. Parce qu'on pense, combien d'Elul ils ont déjà passé? Combien de Rosh Hashanah, combien de Yom Kippur, combien de Sukkot, tout. Qu'est-ce qu'il va changer maintenant, cette mois d'Elul, par rapport à 19 ou 20e Elul qu'ils ont déjà passé? Cette harmonie, cette vis-là, elle nous dérange énormément. Elle nous met une piège dans notre chemin, qu'on n'arrive pas à, comment dire, à profiter, à se mettre au maximum dans l'avodat Hashem, dans cette mois d'Elul, et faire vraiment tshuva. Où il est notre, comment on dit, notre croyance dans notre hachamim, qu'il y a, une grande potentiel de faire une grande tshuva maintenant. Mais pourquoi on n'arrive pas? Ça veut dire que si on analyse les choses, l'homme, il a deux forces qui sont opposées. Et c'est lui, c'est eux, qui plus ou moins il dirige dans son conduite. Et la question, est-ce qu'on utilise ces deux forces dans le bon moment et dans la vraie force? Un côté, on voit qu'il a cette force qui s'inquiète toujours. Il veut tout vérifier avec son cerveau, il veut tout savoir, il est constamment, il réfléchit, il n'accepte pas les choses comme ils sont. Et de l'autre côté, putain, tu vois, cette même personne, Mazet Mimout, Petit Amin, le Kol Davar, il croit à tout, il est intègre, mamash, il s'annule. Et ça veut dire que quand on voit ces deux opposés, ils se trouvent dans la même personne. Une fois, il est complètement dans une kitsoniut, c'est-à-dire d'un côté, il est complètement tamim, de l'autre côté, il est complètement, il s'inquiète. Et ça veut dire ces deux côtés d'être et s'inquiètent énormément. Et de l'autre côté, ani betumi eler, avec matmimut, on voit, Chachamim il dit, et avant, il y a longtemps, quand il y avait cette voix qu'il dit, moi d'Elul, tout Am Israël, ils avaient des frissons. Aujourd'hui, est-ce que quand on te dit moi d'Elul, tu as une charada, tu as une inquiétude, tu as un sentiment, quelque chose? On a l'impression que chacun voit le présent. Et on s'inquiète de rien, comme s'il n'y a pas d'avenir. On ne sent même pas qu'il y a un jugement ou un calcul. Alors on a l'impression qu'on a devant nous des gens qui s'inquiètent de rien. Alors ou ils sont tous tamim, vraiment naïfs, intègres, ou on voit des gens qui s'inquiètent, qu'est-ce qu'il va se passer, est-ce qu'il y aura la guerre, est-ce qu'on doit faire notre alia? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je fais ces études? Est-ce que je vais aller avec celui-là? Est-ce que je marie? Est-ce que je fais cette chidour? Donc, on voit d'un côté très éveillé comme ça, des inquiétudes. Et de l'autre côté, et tu vois qu'il y a des côtés qu'il reste tamim. Mais la tmimout que Chachamim il dit, Rashi, qu'est-ce qu'il a dit? לא לחקור אחרי עתידות. יתהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחרי עתידות. סבידיר כעשה תמימות, כליה דונלום דעת אנטגה וקשם, אינפה אשר שסור לבניר, סבידיר ווה וכלוי, תווה, תסוע בתמימות, סוע אנטג, תתתון כדהקדוש ברוך הוא כאילו הראש, כאילו פילה שוז. אינפה אשר שאיליה דז'ון כ... Ils vont, il y a des gens qu'ils reçoivent, je ne sais pas,
et comment il leur dit les avenirs, où ils vont, les gens qui le balataov, que c'est interdit, mais Torah, d'aller, les gens qui l'ouvrent dans le café, ou qui te font des choses. Ça, c'est pas la temimut. Ça veut dire, quand Rachel dit, et kol ma sheyavo alecha kabel betmimut vaaz tiye imo velechelko. Ça veut dire que Rachel explique, tu acceptes tout ce qui vient sur toi, avec être intègre avec Hachem, et là tu vas être avec Hachem, et tu vas être avec lui. Et le Rambam il dit que ça c'est une mitzvah assez. Ça veut dire qu'il faut croire dans les mitzvot de tshuva, qu'elle a une force de changer complètement de l'homme, d'un côté à l'autre côté. Il était mauvais, il devient le meilleur. Et il faut savoir qu'on doit profiter de cette force qu'on a. Par exemple, quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, qui s'inquiète pour Yom Hadin, qu'il y a une récompense, une punition, c'est quoi sa place dans le monde de vérité. Ça, il faut s'inquiéter. Ça, c'est la chokhma, la vraie chokhma, que Chachamim il dit, Ezu Chacham Aroet Anolad, c'est qu'il est sage, qu'il voit ce qu'il va être engendré de chaque situation. Ça, il faut l'idog. Mais pas tous les restes. Qu'est-ce que c'est marqué? Akol bide shamaim, chutz meirat shamaim. Chutz meirat shamaim, ken. Comment tu vas être, ta santé. Tu vas avoir des enfants, tu auras d'argent, tu te maries, tout, c'est dans la main d'Hachem. Qu'est-ce qu'il dépend de toi? C'est la crainte du ciel. Est-ce que tu t'inquiètes? Est-ce que tu réfléchis? Peut-être j'ai un. Est-ce que mon œil est bien sur les autres? Est-ce que j'arrive à m'annuler vers la volonté d'Hachem? Est-ce que je peux travailler sur moi la jalousie? Est-ce que je peux travailler sur moi d'être contente pour les autres, d'être besimcha, d'être contente de ma part? Ça, c'est un inyan avec la Yirat Shamayim, que tu développes tes relations avec Hachem. Tu cherches vraiment pourquoi tu fais les mitzvot et tu essayes d'arriver à la racine que tout ça tu fais pour Hachem. Est-ce que je connais assez Hachem? Est-ce que je sens Akadosh Baruch Hu quand je fais ma tefila? Est-ce que je sens Hachem quand je mange? Pourquoi je mange? Pour qui? C'est quoi le but final de chaque chose que je fais? L'homme doit réfléchir pendant le temps. Pourquoi je fais les choses? Pour qui? Et de les hâte, arriver à Kadosh Baruch Hu. Parce que malheureusement, on peut faire innover d'Hachem, malheureusement, et pas être betmimut, pas être intègre. Et il y a plein de cheshbonot, juste que tu fais les choses, et tu oublies qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Il faut comprendre qu'être amim im Hachem, c'est d'être léger, de pas être lourd, de comment les choses vont passer, et quand, et comment est-ce que ça est... Ça, tu deviens avec plein de cheshbonot. Mais si tu ne cherches pas sur l'avenir, tu fais ayom la sotam. Aujourd'hui, tu fais les mitzvot que tu peux. Et tu essayes de faire le maximum que tu peux par rapport à ce qu'Akadosh Baruch Hu fait de toi. Et tu grandis. Et tu commences à être léger. Donc, tu sais ce que tu as à faire. Et tu fais ce que tu dois faire. Des fois, les gens, ils rajoutent des choses. Et là, ça commence à être lourd. N'oubliez pas. Le Nachash, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Adam Arishon, Mikol et Sassadé, tu manges de tout ce qu'il y a ici, mais sauf cette arme ne mange pas. Le Nachash, cette Satan, cet Amalek, qu'est-ce qu'il a dit? Il a rajouté. Il ne faut pas même toucher. Il a fait quoi? Il a rajouté ce qu'Hachem il a dit. Des fois, l'homme, tout devient lourd pour lui parce qu'il rajoute ce qu'il ne faut pas. Déjà, fais ce que tu dois faire bien. Le hâte, tu rajoutes, tu grandis. Parce que quand tu fais les choses, pas dans le bon moment, pas dans les meilleures manières, tu peux faire en sorte que tu perdes les tmimou, tu perdes cette naïveté que tu as dans la Vodat Hashem. Et tu donnes gaz dans le neutral. Vous savez que tu investis, c'est comme si tu brasses de l'eau maintenant. Il n'y a rien qui sort. Tu ne fais rien du tout. Donc, la tmimout, c'est quelque chose qui est très important. Et ça commence par quoi? De ne pas chercher à comprendre qu'est-ce qu'il va se passer demain et comment les choses. Mets Hachem devant toi. Shiviti Hachem le nigdi tamid. Chaque fois que tu as quelque chose qui t'inquiète, qui te fait peur, que pitom il y a une angoisse qui vient,
Mets-toi Hachem devant toi. Qui peut être contre? Qui a créé toutes les forces du mal? Qui l'a créé même les tzaras, Kadosh Baruch Hu? Et pourquoi il te met dans ta vie pour que toi, tu te réveilles? Donc, quand tu as une peur, quand tu as quelque chose qui ne va pas, ne te focalise pas sur cette chose. Essaie de voir qu'est-ce qu'il va t'amener. Il va t'amener à coller à Hachem. Et une fois que tu colles à Hachem, tu restes betmimut avec lui. Chez Shabbat Shalom à tout le monde, si Dieu veut. זכור ודיבור אחד ישמיענו אל המיוחד וואו השם אחד ושמו אחד לשם ותפארת ונתילה יחד שם איך ובין אלך כי היא מקור הברכה ברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה תחילה מקדש מלך עיר מנוחה ומצאים את אופיך Tatiana bene shabbat lekabela lehadodi li tatiana Adoro